gueule au poète, on voudrait y voir toi. Devant un tour à l'usine, c'est quoi les verres? Du verbiage, mais question de travail, des coups. Peut-être bien en tout cas que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité, mais aussi je suis une fabrique sans cheminée. Peut-être sans cheminée, c'est plus dur. Je n'aimais pas que vous... Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers? Nous façonnons le chêne de la tête humaine. Bien sûr, péché est chose respectable. Je décide. D'autant plus respectable est le travail du poète qui pêche non pas des poissons mais des gens vivants dans la chaleur des hauts fourneaux, chauffer le métal incandescent. C'est un travail énorme. Mais qui pourrait nous traiter de feignants? Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus, le poète ou le technicien? Qui mène les gens vers les biens matériels? Tous les deux. Les corps sont des moteurs. L'âme, un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades, dans la masse des travailleurs, prolétaires, du corps et de l'esprit. Ensemble seulement, nous pouvons embellir l'univers, le faire aller plus vite grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot! Au boulot! La tâche est neuve et vive, aux moulins, les creux, aux orateurs, aux meuniers, qu'avec l'eau de leur discours, ils fassent tourner les meules. Au boulot! Au boulot! Que le poète, on voudrait y voir toi devant un tour à l'usine. C'est quoi les verres? Du verbiage, mais question de travail, des clous. Peut-être bien en tout cas que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi je suis une fabrique sans cheminée, peut-être, mais sans cheminée c'est plus dur. Je sais que vous n'aimez pas les phrases creuses, débiter du chêne, ça c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers? Ne sommes-nous pas aussi des charpentiers? Nous façonnons le chêne de la tête humaine, bien sûr, péché est chose respectable. Jeter ses filets dans les filets, attraper un esturgeon, ah ah. D'autant plus respectable que le travail est du poète, qui pêche non pas des poissons, mais des gens vivants. Dans la chaleur des hauts fourneaux, chausser le métal incandescent. Ça, c'est un énorme travail. Et qui pourrait nous traiter le feignant? Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus, le poète ou le technicien? Qui mène les gens vers les biens matériels? Tous les deux. Les corps sont des moteurs, l'âme un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades. Camarades dans la masse des travailleurs, prolétaires, du corps et de l'esprit. Ensemble seulement, nous pouvons embellir l'univers. Faire aller plus vite, grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot! Au boulot! Au boulot! Au boulot! Tâchez neuve et vive, au moulin les creux orateurs, aux meuniers, qu'avec l'eau de leur discours ils fassent tourner les meules. La tâche est neuve et vive, au moulin les creux orateurs, aux meuniers, qu'avec l'eau de leur discours ils fassent tourner les meules. Au boulot! Au boulot le poète ou le technicien, au boulot le charpentier. Au boulot, l'usineur. Au boulot. Ah, je voudrais t'y voir, toi, devant un tour à l'usine. C'est quoi tes verres, du verbiage, mes questions de travail, des trous. Ah, t'es bien. Ah, t'es bien. Mais en tout cas, le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi, je suis une fabrique. Je suis une fabrique sans cheminée, sans machine. Peut-être. Mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça, c'est du travail. Faire une maison, ça, c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des plombiers? Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des maçons? Nous
façonnant aux chaînes de la taille humaine, bien sûr, pêcher la chose respectable, jeter ses filets dans les filets, vous attraper un esturgeon. Vous traiter de feignant. Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux, qui vaut le plus. Le poète ou le technicien.